Pour réaliser un panier en spaghettis, il vous faudra du fil jersey épais ainsi qu'un crochet assez gros. Là, c'est un diamètre 9. Voilà, tout dépendra de l'épaisseur de votre fil. On commence par réaliser un nœud coulant autour du crochet. Donc ça. Et puis on va l'élargir un petit peu pour réaliser une magic ring, c'est-à-dire qu'on va venir crocheter dans la boucle du nœud coulant en rond. Donc ça, on commence par la base du panier, c'est vraiment le fond du panier. Donc j'y vais. Donc je pique dans la boucle. Je viens tirer le fil du côté de la pelote avec mon crochet. Je passe à l'intérieur de la boucle. L'autre côté du fil est bien sûr laissé libre de ce côté-là. Je fais à nouveau un jeté et je viens tirer dans la boucle sur le crochet. Voilà une première maille réalisée. On va faire de la même façon 10 mailles piquées dans ce cercle magique. Donc je continue, je pique, je réalise un jeté, je tire, je réalise à nouveau un jeté. Et je tire à travers les deux boucles. Voilà une deuxième maille serrée. On continue, je pique, un jeté, je tire, un nouveau jeté et je tire avec les deux boucles. On continue de la même façon. Pour faire le tour du cercle de départ. Donc là, j'en ai. Donc la toute première, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va finir par une maille coulée dans la deuxième maille serrée qu'on a faite. Donc je pique à travers les deux brins. Je fais un jeté et là je tire à travers les deux boucles sur le crochet. Voilà comment réaliser une magic ring. Alors, qui nous permet de resserrer les mailles si on tire sur ce brin-là. Donc là, on a la base. On va poursuivre en élargissant notre cercle petit à petit pour élargir la base, le fond du panier. On réalise une maille en l'air, c'est-à-dire qu'on fait un jeté et on tire dans la boucle. On a sur le crochet. Puis on va venir piquer deux mailles serrées dans chaque maille du tour précédent. En fait, on double les mailles. Donc on devrait avoir 20 mailles à la fin du tour. Je pique, je fais un jeté, je tire, je fais un nouveau jeté. Et je tire à travers les deux boucles. Je
considère la maille en l'air de départ un peu comme une maille serrée. Si bien que dans cette maille du cercle magique, on a déjà doublé, déjà deux mailles. Je pique dans la suivante, je fais un jeté, je tire, je fais un nouveau jeté et je passe à travers les deux boucles. Je pique dans la même maille, donc je double. On voit bien. Je fais un jeté, je tire, je refais un jeté et je tire dans les deux boucles. Là, on en a 4 mailles. Et je continue ainsi avec chaque fois 2 mailles serrées dans chaque maille du tour précédent. Je vais accélérer un petit peu. Voilà, et je termine par une maille coulée dans la maille en l'air de départ. 1, 2, 3. Alors normalement, on devrait avoir 20 mailles. Ok. Donc si on veut élargir encore notre panier, avoir un panier assez gros, il faut continuer à élargir ce cercle petit à petit, mais pas trop non plus. Donc cette fois-ci, on va réaliser 2 mailles dans une maille serrée précédente sur 2. Je vous montre. Donc on commence toujours par une maille en l'air pour se mettre à hauteur. Puis là, on va piquer au même endroit une maille serrée. On voit la 2 issue de la même maille du tour précédent. Et puis dans la suivante, on va en piquer seulement une. 2, 1. On continue dans la suivante, dans la troisième. Dans la troisième, on va en piquer 2 cette fois. 1. Donc toujours dans la même maille. 2. Donc 2, 1, 2. On continue 1.
On termine toujours par une maille coulée dans la maille en l'air de départ. Donc, normalement, on devrait avoir 30 mailles. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 mailles. Alors, soit on s'arrête là et puis on commence à monter les bords du panier, mais on aura un panier assez petit, en vide poche. Soit on décide de faire un panier beaucoup plus grand et puis on continue nos augmentations pour élargir le fond du panier. Alors je continue encore un tour pour vous montrer, pour élargir encore un petit peu. Donc on commence toujours par une maille en l'air et puis cette fois-ci il va falloir doubler une maille sur 3. On a doublé toutes les mailles, doublé une maille sur 2, maintenant on double une maille sur 3. Donc c'est pareil, je pique dans la même maille, je réalise une maille serrée. On va piquer dans la suivante, on va faire une seule maille serrée. Et puis dans la suivante, pareil, on fera une seule maille serrée. Donc 2, 1, 1. Dans celle d'après, on va en faire 2. Puis je continue une, et deux. Une, et deux. Une, et deux. Une, je termine le tour. De la même façon que les autres, par une maille coulée dans la maille en l'air de départ. Voilà une bonne base pour monter les bords du panier. On devrait avoir une quarantaine de mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Donc pour monter les bords du panier, c'est plus facile. Donc de la même façon que jusqu'à présent, on va commencer par une maille en l'air. Et puis, on va poursuivre en réalisant une maille serrée dans chaque maille du tour précédent. Donc tout simplement, je crochète une maille serrée dans chaque maille précédente. Donc je termine ce tour de maille serrée simple par une maille coulée comme précédemment.
Et donc on voit que quand on arrête les augmentations, les bords commencent déjà à monter. On continue ainsi, donc toujours en commençant par une maille en l'air, et puis en réalisant une maille serrée dans chaque maille du tour précédent, jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée. Voilà, on termine comme pour les autres tours, par une maille coulée dans la maille en l'air du début du tour. Hop. Et puis on tire sur le fil. Voilà. On rentre les fils. Voilà un joli panier dans lequel vous pouvez installer une plante ou alors mettre tous vos vernis à ongles.